Enfin, je vais présider ce soir, par l'intermédiaire de mon cabinet, une réunion spécifique pour regarder les menaces éventuelles et complémentaires que pourrait connaître la communauté kurde, qu'il s'agisse à Paris ou ailleurs. Nous n'avons pas aujourd'hui de signalement particulier. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le tueur qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup état, qu'il ait voulu assassiner des personnes ici à Paris, l'ait fait spécifiquement pour les Kurdes. Il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside Madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de le savoir. Le tueur est français, il est âgé de 69 ans. Il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement, ni de la DGSI, ni de la direction du renseignement de Paris, ni des renseignements territoriaux. Et je crois, pour avoir échangé avec Monsieur le garde des Sceaux, ni des services de renseignement pénitentiaire pour radicalisation. Il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement politique quel qu'il soit, même si manifestement ses motivations ont été une attaque contre les étrangers caractérisée, mais ça, l'enquête judiciaire le confirmera. Il était connu des services judiciaires, mais il n'était pas fiché comme étant quelqu'un d'ultra-droite ou un extrémiste qui participerait à des réunions ou dans des organisations que nous avons par ailleurs dissoutes, hein, je rappelle. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre.